Giratachuva, prenons par Dalet, Tzadik Dalet Amoud Bet, la troisième ligne, qui est Ayoud. Les trois premiers chapitres d'Giratachuva étaient consacrés à la description, à la définition de la Tchuva alpiniglé, selon les enseignements de la partie révélée de la Torah. Faire Tchuva, ça veut dire prendre la décision d'obéir, de ne plus jamais désobéir. Et si jeûner peut être aussi utile, ça ne pourra jamais remplacer l'obligation de faire Tchuva. Jeûner peut permettre, entre autres, de retrouver l'agrément de Dieu, après avoir été pardonné, retrouver la face devant Dieu. Et le Harizal recommandait un certain nombre de jeûnes pour chaque faute, et il fallait multiplier par 3 ce nombre de jeûnes si une faute avait été répétée plusieurs fois. À notre époque, nous n'avons plus la force physique de supporter autant de jeûnes. Nos fautes sont trop nombreuses. Et l'Admor HaZaken nous recommande de donner de la tzedaka sans limite. Chassidim raconte qu'un jour, un chassid donnait énormément la tzedaka et on lui a demandé, pourtant c'est écrit Ali Vaz Vaziotam Chomesh. On ne doit pas dépenser, on ne doit pas dilapider son argent pour des dépenses qui ne sont pas essentielles, comme la tzedaka, plus que 20%. Et notre chassid lui a répondu, effectivement, pour les dépenses qui ne sont pas essentielles, on ne doit pas dépenser plus que 20%. Mais pour moi, la tzedaka, c'est une dépense essentielle. Les autres dépenses ne sont pas des dépenses essentielles. Il y a un dicton chassidique qui dit que si quelqu'un fait une faute, alors il devra faire tchouva, et puis ensuite il devra jeûner pour retrouver l'agrément de Dieu comme avant la faute. Et s'il ne peut pas jeûner, bien il devra donner énormément la tzedaka. Et si quelqu'un n'a ni la force de jeûner, ni les moyens de donner la tzedaka, eh bien lui, il doit absolument pas faire de faute. Mais même lorsque quelqu'un a fait une tchouva convenable, rien ne garantit qu'il ne va pas récidiver. Et pour ne pas rechuter, il faut avoir bien compris quelles sont les conséquences de nos fautes. Quand on comprend quelles sont les conséquences catastrophiques de nos fautes, sur le plan spirituel, on est beaucoup plus motivé à ne plus recommencer. Et c'est le sujet de la série de chapitres que commence l'Admor HaZaken avec le Perek Dalet. L'Admor HaZaken présente à partir du Perek Dalet, il présente la Tchouva sous un autre aspect, comme elle se conçoit le Pirhassidut. Ça veut dire selon les enseignements de la partie profonde de la Torah. L'Admor HaZaken nous a d'abord expliqué que lorsqu'on commet une faute, tous les intervenants sont affectés et blessés, salis par cette faute. Et parmi les intervenants, on trouve bien sûr le corps, mais aussi la Neshama qui est obligée de suivre le corps. Et comme cette Neshama est profondément liée à Dieu, au nom de Dieu, Yud-Ké Vav-Ké, c'est donc Dieu lui-même qui est entraîné dans cette chute. Et l'Admor HaZaken a d'abord insisté sur la pureté, la noblesse de notre Neshama, de sa position complètement décalée au-delà du reste de la création. Et nous avons commencé la dernière fois le passage du Perek Dalet, au cours duquel l'Admor HaZaken va faire un parallèle entre les 4 lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav, le He, les 10 Sfirot Elyonot, les 10 Sfirot qui permettent la gestion de la création, la gestion de la lumière que Dieu apporte à la création pour lui permettre d'exister, lui permettre de fonctionner, et les 10 facultés de l'âme, pour nous dire combien la Neshama est liée profondément à Dieu, combien les conséquences et les dégâts provoqués par nos fautes sont catastrophiques, combien elles ont affecté notre Neshama et le divin lui-même. Alors je commence dans les mots, la description que fait l'Admor HaZaken de la correspondance des 4 lettres du nom de Dieu et des Sfirot. Il dit Kayud Shibrinat Nekuda Levan. Le Yud est présenté comme un point dans le dessin d'un Yud. Meram Mezet, le Chochmato Yidbarer. Cela fait allusion à la sagesse d'Akadosh Baruch, la sagesse de Dieu. Shibifrinat Helem Vehester Kodem Shabadifrinat Yitpashtut Vegilu Yasaga Vavana. C'est une idée, c'est ce qui correspond à une idée lorsqu'elle est cachée avant qu'elle ne se développe. Je vais reprendre tout de suite ce que l'Admor HaZaken vient de nous dire. Vehakotz Shalayud. La pointe qui est au-dessus du Yud. Nous, on aurait voulu dire la pointe du Yud. Pourquoi celle qui est au-dessus? Romez du Prinat Ratson Elyon Baruchu. Cela fait allusion à la volonté suprême de Dieu. Chez les Malamala Mimadrigat Prinat Rochmaïla Kanoda, qui est bien au-delà de la sagesse suprême de Dieu, comme on le sait bien. Je continue encore une petite ligne et je vais reprendre. Harsh Bali Prinatit Pashtut Vegiluya Sagavavna Lalmistimin. Une fois que cette idée, ce qui correspond à cette idée, vient se développer dans les mondes cachés, venir Chlelet, venir Mezet, de Othe. Elle va alors être inclue dans la lettre He, Shesh la Prinat Yitpash toute la Rochav, qui a plus de largesse dans sa forme par rapport à un Yud, Amram Ramez à la Chavat Abiur Vavana, qui correspond au développement de l'explication, Vegam le Horer, mais la lettre He est aussi plus longue que la lettre Yud, Amoral Prinat Am Shacha Vehashpa, Mil Malal et Matal Anistimin, et qui désigne la Am Shacha du haut vers le bas, vers les mondes cachés. Que vient nous dire ici l'Admor HaZaken? Il fait un parallèle entre le schéma des 10 sphirot et les 10 facultés de l'âme. Les sphirot correspondent à ce qui va organiser l'intervention de Dieu dans la création. Et on va comparer l'intervention de Dieu dans la création à l'intervention d'un homme qui veut transmettre une idée à quelqu'un d'autre. Dans l'ordre des étapes de la transmission d'un rav à un talmid, d'un maître à un élève. D'abord, il doit avoir la volonté de transmettre. Ensuite, il doit essayer d'y réfléchir. Il doit avoir une première idée, savoir de quoi il va parler, quel sujet il va aborder. Mais dans ce sujet, ce titre est inclus tout le développement qui va suivre. Ensuite, le rav
va développer cette idée. Il va ensuite devoir décider quelles informations doivent être données et lesquelles seront retenues. Parfois, on ne doit pas tout dire. On ne doit pas déballer tout ce qu'on connaît parce qu'on risque de submerger l'élève dans un flot d'informations qui sera trop important pour lui. Et trop d'informations tue l'information. Ensuite, il pourra parler. Il pourra finalement donner son cours à son élève. Eh bien, les 10 sphirotes vont s'organiser et suivre ce même processus pour apporter à la création ce dont elle a besoin pour exister, pour fonctionner. Et la Noor Zaken fait le lien entre les 4 lettres du nom de Dieu et le schéma de l'organisation des 10 sphirotes. Alors, dans l'ordre, la Noor Zaken nous a d'abord parlé de la pointe qui est au-dessus du Yud. C'est ce qui va correspondre à la volonté suprême de Dieu, comme la volonté qui est la faculté la plus haute par rapport à toutes les autres facultés de l'âme. Comme un rave qui doit d'abord avoir la volonté de transmettre avant de penser à donner son chiot. Dieu aussi a la volonté d'alimenter tout le système. Et la Noor Zaken précise qu'il s'agit de la pointe qui est au-dessus du Yud, pas seulement de la pointe du Yud. A priori, il s'agit de la pointe de la lettre, donc la pointe du Yud. Elle fait partie de la lettre. Il ne s'agit pas d'une pointe qui volerait au-dessus de la lettre, qui serait déconnectée de la lettre. C'est que la pointe au-dessus du Yud désigne la volonté suprême de Dieu. La pointe du Yud désigne la volonté supérieure de la Neshama, de l'homme. La pointe au-dessus du Yud désigne la volonté suprême de Dieu. Et la Noor Zaken veut nous dire que lorsque quelqu'un a commis une faute, il a affecté sa Neshama, il a affecté toutes les facultés de sa Neshama, et il a affecté aussi les Sphirot qui dérivent desquelles dérivent ses propres facultés. Mais il n'a pas affecté la pointe au-dessus du Yud, la volonté suprême de Dieu, qui est représentée par cette pointe qui est au-dessus du Yud. Lorsqu'il fera Tshuva, ce même niveau du divin, qui n'a pas été touché, sali par sa faute, va pouvoir réintervenir pour réalimenter à nouveau tout le système et le reconstruire. En d'autres mots, la pointe du Yud représente la volonté suprême. La pointe qui est au-dessus du Yud représente la volonté suprême de Dieu qui est inaltérable et que l'on réveille quand on fait Tshuva pour reconstruire tout le système. Voilà pour la pointe au-dessus du Yud. Ensuite, il y a le Yud lui-même, la lettre elle-même, qui va correspondre à Chorma, la sagesse. Ici, encore une fois, on traduit « Chorma » la sagesse, mais on va expliquer tout de suite que la traduction ne nous apporte pas grand-chose. La sagesse « Chorma », ça correspond dans le processus de transmission de Rav à Talmid, de maître à élève, à la première idée, au titre que l'on va développer plus tard. Ce n'est pas vraiment un titre. Dans cette première idée se retrouve déjà tout le développement suivant. Chorma est comparé au fait de voir quelque chose. Quand on veut transmettre une idée, la meilleure façon de s'y prendre, c'est de montrer des schémas, des tableaux, des dessins. Quand Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël quels animaux étaient cachés et lesquels n'étaient pas, il leur a montré ces animaux, il les a pris dans ses mains, il leur a montré. Et cette vision instantanée a l'avantage d'être complète et totale, même s'il faudra encore développer davantage, donner plus de détails. Et c'est donc beaucoup plus qu'un titre dont on parle, quand on parle de Chorma. L'étape de Chorma, c'est celle du raisonnement intellectuel qui est orienté vers soi-même. Je peux réfléchir pour comprendre, mais je peux aussi réfléchir pour transmettre. Ce n'est pas la même chose. Chorma, c'est l'étape du raisonnement intellectuel où tout est concentré vers soi. Comme quelqu'un qui réfléchit, qui se pose des questions et qui tout à coup se dit « Ah, j'ai trouvé ». Il n'a pas encore développé sa solution, mais elle est déjà là, bien posée. Il faudra bien sûr ensuite traduire cette solution, traduire cette idée en long, en large. Pourquoi? Parce qu'il va devoir l'expliquer à quelqu'un d'autre pour pouvoir transmettre cette idée qui pour lui était déjà très claire. Il va devoir la développer. Pour que ce soit clair pour quelqu'un d'autre aussi, il va devoir la développer en long et en large. C'est l'étape de Bina, qui est celle du raisonnement intellectuel, mais cette fois orientée vers l'autre. Et que l'on va associer à la lettre He, qui est plus longue et plus large que la lettre Yud. La largeur de la lettre He, qui correspond au développement de l'idée qui doit être transmise en large. Et la longueur de la lettre He, du haut vers le bas, qui correspond à l'orientation de la transmission de cette idée du haut vers le bas. Mais à cette étape, la transmission n'a pas encore commencé effectivement. C'est une étape du raisonnement intellectuel qui suit la précédente, Bina, qui suit Chorma, mais qui est encore localisée à l'intérieur, même si elle s'oriente déjà un peu vers l'extérieur et vers l'autre. Nous avons déjà décrit 3 étapes différentes. Ratson, la volonté qui correspond à la pointe au-dessus du Yud. Chorma, la sagesse qui correspond, c'est la première idée que je saisis avant d'envisager de la transmettre. Et qui correspond à la lettre Yud. Bina, c'est la compréhension, c'est la première idée que je développe quand j'envisage déjà de la transmettre, qui correspond à la lettre E. Mais nous nous trouvons encore à l'étape des mondes cachés, comme la réflexion qui est cachée à l'intérieur de soi, même si elle peut déjà commencer à s'orienter vers l'extérieur. C'est pour ça que le Yud et le He font référence au monde caché de la création, qui est Beyud Ke Hashem Tzur Lamim, avec le Yud et le He, Hashem crée les mondes. Il s'agit des mondes cachés de la création, Atzilut Bria, alors que le Vav et le He font référence au monde révélé de la création, Asiya Yetzira. Alors je récapitule. Dans le processus que nous décrivons, on distingue une première série d'étapes au cours desquelles les choses vont se construire à l'intérieur. C'est ce qu'on appellera Almin Stimin, les mondes cachés. Et puis nous allons parler tout de suite d'une deuxième série d'étapes au cours desquelles les choses vont se révéler vers l'extérieur. Et c'est ce qu'on va appeler Almin Dit Galian. Alors je reprendrai les mots. Vachakar,
Et ensuite, lorsque ce développement se poursuit vers le Baal HaMin d'Eid Galyan, vers les mondes révélés, comme quelqu'un qui veut expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre, en lui disant, en lui parlant, eh bien, la série d'étapes suivantes seront reprises en allusion par les lettres Vavé, qui Vav Moré Alam Shachamil Mala le Mata. Le Vav correspond à une descente du haut vers le bas, et cette Amshacha, cette orientation du haut vers le bas, est dépendante de la bonté de Dieu et de ses autres midot. Anirklalot Bedrechklal Mimis Parchesh, et il y en a 6 midot, 6 filtres qui vont décider de la Amshacha que Dieu va apporter à la création. On les retrouve chez Bepasuk, dans le Pasuk Lechashem Abdullah Vagvura, etc. Jusqu'au dernier mot de ce passou qui dit Amamlacha, il représente la royauté qui midat malchuto, n'est pas incluse dans l'étape précédente, elle est appelée la parole de Dieu, comme un roi qui règne par la parole, et qui correspond à la lettre He du Shem Havayé. Je continue encore une petite ligne ou deux et je vais reprendre. La parole est le résultat du souffle qui est produit par le cœur, qui se divise en 5 formes de prononciation des lettres, comme les gutturales qui viennent de la gorge, palatales, les labiales, etc. La prononciation de la lettre He se fait en soufflant, comme on dit dans le Zohar, qu'il s'agit d'une lettre légère parce qu'elle n'a pas de contenu, elle se prononce en soufflant. Et même si Dieu n'a pas l'image d'un corps pour qu'on puisse lui associer tous les critères adaptés à la parole, dit la Torah, qu'il chante Adam. Mais la Torah utilise des idées que l'homme va pouvoir comprendre. Même si en réalité, la parole de Dieu est bien construite par 22 lettres qui se subdivisent comme dans notre propre parole par 5 façons de prononcer les mots et les lettres, Benivra Kolagitsu, et c'est grâce à la parole de Dieu et aux 22 lettres qu'il organise que l'ensemble de la création peut prendre sa place. Comme on a déjà parlé de ces lettres dans Shar Yichud Emuna, le chapitre 11. Je vais reprendre ce que la Mourazakan vient de nous dire. Quand on a la volonté de transmettre et qu'on sait déjà de quoi on va parler, il faut encore évaluer quels enseignements peuvent être présentés et quelles autres idées je vais retenir. Cette étape correspond, vont correspondre, ces différentes étapes vont correspondre au Vav et au He. Le Vav correspond aux 6 midot. Vav, c'est 6. Mais les premières des 6 midot sont Chesed et Gvura, la bonté et la rigueur. La bonté, c'est donner sans garder. La Gvura, la rigueur, c'est retenir. Les autres midot dérivent de ces deux premières. Et elles correspondent à l'évaluation qui précède la transmission effective d'une information. De quoi je vais parler? De quoi je ne vais pas parler? Cette transmission effective se fera par la parole, qu'on va associer à la lettre He, puisqu'on parle en soufflant, comme la lettre He qui se prononce en soufflant. Mais avant cette transmission effective de l'information, avant de parler, la décision de transmettre l'information va subir une série de filtres. 6 filtres qui correspondent aux 6 midot. Et à la lettre Vav, qui veut dire 6, qui a justement la forme d'un petit réservoir suivi d'un canal qui se dirige vers le bas. La lettre Vav représente aussi dans sa forme cette étape du processus qui lui correspond. Tu viens à l'étape finale de la transmission, transmission effective de l'information. Je vais commencer à parler. Et on associe cette étape à la lettre He, à la royauté, parce qu'un roi ne peut régner qu'à condition de pouvoir parler, d'édicter ses décrets. Et la mida de Malchut, associée à la parole, va donc correspondre à la lettre He. He, la dernière lettre du Shema Vayé, les 4 lettres du nom de Dieu, parce qu'on parle en soufflant, comme la lettre He, qui se prononce en soufflant. Alors l'Admor HaZaken nous a présenté ici la description de l'organisation des sphirotes pour nous dire combien ces sphirotes correspondent parfaitement aux facultés de l'âme. On va en parler la prochaine fois. L'Admor HaZaken va faire ce parallèle entre les 10 sphirotes qu'il nous a présentés aujourd'hui et les 10 facultés de l'âme qu'il nous présentera la prochaine fois. Et cette correspondance puissante entre les sphirotes d'une part et les facultés de l'âme d'autre part nous fait comprendre combien les deux sont intimement liés. Comme quand deux personnes se ressemblent tellement et qu'on va dire, ils se ressemblent tellement, ça ne peut être que des frères, ils sont moins de la même famille. De la même façon, quand je m'aperçois à quel point l'organisation des facultés de l'âme est calquée sur celle des sphirotes, c'est presque un copier-coller du divin. Alors je comprends que la Neshama est profondément liée au nom de Dieu. Tout cela pour nous dire que quand quelqu'un prend une mauvaise décision, quand tu fais une faute, tu vas affecter et blesser ton corps, tu vas affecter et blesser ta Neshama, mais tu vas aussi affecter et blesser Dieu lui-même, si on peut dire, sans parler des conséquences sur les autres. Même si tu ne comprends pas parfaitement toute la finesse du développement de l'Admor HaZaken, tu sais déjà que chaque faute aura des conséquences catastrophiques sur toi, sur les autres et surtout sur Dieu lui-même. Et ça doit être suffisant pour te motiver, pour t'aider à te retenir la prochaine fois. Quand un médecin te prescrit un médicament, tu lui fais confiance, tu le crois sur parole, tu prends le médicament.
Tu ne lui dis pas une seconde. Avant de prendre le médicament, je vais d'abord parfaitement comprendre comment il fonctionne. Il faut me donner un cours de pharmacologie. Vous allez m'expliquer quelles molécules vont interagir avec tel récepteur ou telle cellule. Tu le crois sur parole et tu l'écoutes. Ici aussi, l'admorazakène nous donne des informations. Quand tu fais une faute, tu blesses ton corps, tu blesses ta neshama, tu affectes jusqu'au Shem Hashem, jusqu'au nom de Dieu. Et l'admorazakène est un grand spécialiste. Tu peux lui faire confiance, il sait de quoi il parle. Alors la prochaine fois, réfléchis un peu avant de faire une faute. Arrête-toi une seconde et réfléchis. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Bien sûr, je me fais plaisir quand je commets une faute, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ça ne vaut pas tout ce que je vais détruire et affecter mon corps, mon neshama, jusqu'à Dieu lui-même. Passez une bonne journée.